Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour voir comment déterminer le rang d'une application linéaire. Alors ce dont nous allons parler c'est d'application linéaire et je te rappelle rapidement ce que c'est qu'une application linéaire. Donc si tu prends deux espaces vectoriels E et F, une application linéaire de l'espace E vers l'espace F, c'est une application telle que si tu prends deux vecteurs U et V, F de U plus V est égal à F de U plus F de V. Et si tu prends un scalaire lambda et un vecteur U, F de lambda U est égal à lambda F de U. Et donc ce qu'on veut déterminer aujourd'hui, c'est ce que nous allons appeler, c'est ce qu'on appelle le rang d'une application linéaire. Alors qu'est-ce que c'est le rang de F? C'est la dimension de l'image de F. Alors, petit souvenir, qu'est-ce que c'est que l'image de F? Eh bien, en fait, l'image de F, c'est assez simple. C'est l'ensemble de tous les F de U lorsque U appartient à l'espace vectoriel de départ, à l'espace vectoriel E. Par exemple, ici, on avait pris un exemple d'endomorphisme sur R2, donc une application linéaire de R2 dans R2, et représenté im de F sous la forme des pointillés orange que tu vois. Puisque c'est l'ensemble de tous les f de u lorsque u varie dans l'espace vectoriel E. Alors, il y a une méthode assez simple pour déterminer im de f aujourd'hui, mais pour y arriver, on va faire un petit détour par le noyau de cette application linéaire. Alors, je te rappelle aussi ce que c'est le noyau. Alors, le noyau d'une application linéaire, c'est en quelque sorte l'ensemble de tous les vecteurs U dont l'image est égale au vecteur nul. Donc là aussi, un petit exemple qu'on avait pris dans une autre vidéo, un endomorphisme de R2. Et puis, donc là, tu constates que lorsque U appartient au noyau K2F, eh bien, l'image de U, F de U, est égale au vecteur nul. Et inversement, si U n'appartient pas au noyau, F de U n'est pas égal au vecteur nul. Donc, pour déterminer le noyau, en fait, la méthode, c'est toujours un peu la même. Donc, le noyau, c'est Ker de F, si tu veux, c'est l'ensemble des vecteurs U, donc dans l'espace de départ, dans R3, dont l'image est égale au vecteur nul de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire encore R3. Donc, on va prendre un vecteur U de coordonnées x, y, z dans la base canonique de R3 et on va exprimer ce que signifie que notre vecteur appartient à un ker de F. Donc, U appartient au noyau à ker de F si et seulement si F de U est égal au vecteur nul. Donc, en reprenant donc l'expression de F de U, ça veut dire que premièrement, moins 2x plus y plus z égale 0. Ensuite, x moins 2y plus z égale 0. Et x plus y moins 2z est égal à 0. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de simplifier ce système en appliquant des opérations courantes d'élimination. Alors, je vais remonter la ligne 3. Je vais l'échanger avec la ligne 1. Donc, la ligne 3. On va la remonter en première place, donc x plus y moins 2z égale 0. La ligne 2, bah, j'y touche pas. X moins 2y plus z égale 0. Et la ligne 3, c'est l'ancienne ligne 1. Donc moins 2x plus y plus z égale 0. Et là, ce qu'on va faire, on va dans une étape suivante éliminer x dans la ligne 2 et la ligne 3. Donc pour faire ça, eh bien, la nouvelle ligne 2, ça va être l'ancienne ligne 2 moins la ligne 1, ce qui va donner x moins x 0, ensuite on aura moins 3y, ensuite on aura plus 3z égale 0, et pour la ligne 3, la nouvelle ligne 3, ça va être l'ancienne ligne 3 plus 2 fois la ligne 1, donc ce qui va donner 0x, donc. Et puis ensuite on va avoir 3y. Plus moins 3z, pardon, égale 0. Puis là, quand tu regardes bien, en fait, les deux dernières lignes sont proportionnelles. Donc ça, on va encore pouvoir le simplifier. Ce système aussi, il équivaut à donc
x plus 2y moins x plus y moins 2z égale 0, et finalement 3y égale 3z, c'est-à-dire y égale z. Et puis, en reportant cette information dans la première ligne, on va avoir y moins 2z qui est égal à moins z. Donc ça va faire x égale z et y égale z. Donc finalement, le noyau, c'est quoi? Quart de f, c'est l'ensemble des vecteurs, c'est exactement l'ensemble des vecteurs de la forme z, 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 où z est un nombre réel. Voilà, alors ce que tu peux écrire aussi, on l'avait déjà vu dans une vidéo précédente, z que multiplie le vecteur 1, 1, 1, où z est un nombre réel, et donc ça veut dire que le noyau, quart de f, c'est le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur de coordonnées 1, 1, 1, ce qu'on appelle une droite vectorielle, puisque c'est engendré par un seul vecteur. Alors, ça va nous permettre de trouver une base de quart de f. Alors, en fait, on l'a déjà sous les yeux. Alors, pourquoi ce vecteur est-il une base de quart de f? Parce qu'en fait, il est non nul. Le vecteur 1, 1, 1 est pas égal au vecteur nul. Donc, si tu veux, la famille formée par ce vecteur est libre. C'est une famille libre. Donc, finalement, une famille libre, puisque c'est une famille libre de quart de f, ce vecteur représente est une base de quart de f. Et ça, c'est assez intéressant parce que tu vas voir que ça nous rapproche du résultat qu'on voulait obtenir. Ça veut dire que la dimension de quart de f est égale à 1. Donc ça, c'est un résultat assez intéressant. Donc on a fait un petit détour par quart de f pour en apprendre davantage sur la dimension de im de f. Alors justement, la question c'est quel est le rapport avec la dimension de im de f? Quel est le rapport avec le rang de f? Alors pour établir le rapport entre les deux, il va falloir se souvenir d'un théorème très très important. Et ce théorème, tu le connais sans doute, c'est ce qu'on appelle le théorème du rang. Alors, que dit le théorème du rang? Alors déjà, on va appliquer le théorème du rang parce qu'on cherche le rang de f, c'est-à-dire la dimension de im de f. Alors pour ça, on a un théorème qui nous dit la chose suivante, le théorème du rang. Alors, le théorème du rang, il te dit que si tu prends une application linéaire f qui va d'un espace vectoriel E de dimension finie vers un espace vectoriel f, si f est une application linéaire avec dim de E de dimension finie, si dim de E est de dimension finie, alors on va avoir la relation suivante. La dimension du noyau de f plus la dimension de im de f, ça sera égal à la dimension de E. Donc on peut le réécrire avec le rang, c'est-à-dire que la dimension de quart de f plus le rang de f, ça sera égal à la dimension de E. Alors ça, c'est cette égalité-là qui va nous permettre d'en apprendre davantage sur le rang de notre application linéaire à nous, celle qu'on était en train d'étudier. Donc notre application linéaire, c'est une application linéaire de R3 dans R3, donc c'est un endomorphisme de R3. Et puis R3, tu le sais, c'est un espace vectoriel de dimension finie, puisque c'est un espace vectoriel de dimension 3. Donc d'après le théorème du rang, tu peux appliquer le théorème du rang, et ce théorème te dit la chose suivante. Donc il te dit que la dimension donc de quart de f plus la dimension de im de f, c'est-à-dire le rang de f, ça sera égal à la dimension de R3. Mais sauf que nous, la dimension de quart de f, on la connaît, puisqu'en fait, on connaît une base de quart de f, dim de quart de f, c'est égal à 1. Et donc, tu comprends bien que ça va nous donner le rang de f est égal à 2. Voilà, ça nous dit que im de f, c'est un sous-espace vectoriel de R3 de dimension 2. Donc, en fait, c'est ce qu'on voulait obtenir. On voulait obtenir le rang de im de f, et tu vois, pour l'obtenir, on est passé par quart de f. On a obtenu d'abord une information sur quart de f, on a appliqué le théorème du rang et on a obtenu la dimension de im de f. Alors,
On va juste, je te propose juste d'aller un tout petit peu plus loin. Et puis, du coup, puisqu'on a la dimension de IMDF, ce serait intéressant de savoir si on ne peut pas déterminer une base de IMDF. Alors, tu peux te représenter IMDF comme un sous-espace vectoriel de dimension 2. Bon, alors, on pourrait peut-être se le représenter comme un plan, par exemple. Et on aura trouvé une base de IMDF à partir du moment où on aura donc trouvé deux vecteurs de IMDF qui sont non collinéaires, qui sont libres. D'accord? Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire. Pour trouver une base de IMDF, on va essayer de trouver deux vecteurs de IMDF qui sont non collinéaires. Alors, la première idée qui vient à l'esprit, bah, c'est peut-être d'aller prendre les vecteurs de la base canonique de R3, donc E1 de coordonnées 1, 0, 0. Et puis, bah, ce qu'on va faire, c'est déterminer l'image de E1 par cette application linéaire. Donc, si tu calcules f de E1, tu vas obtenir le vecteur de coordonnées moins 2, 1, 1. Et donc, ça, c'est un vecteur de IMDF, puisque c'est f de E1. Je te rappelle que IMDF, c'est tous les f de U. Donc, ça, c'est un vecteur de IMDF. Et puis, on va calculer l'image d'un autre vecteur de la base de R3, canonique de R3. Le vecteur E2 et son image par f, c'est 1 moins 2, 1. C'est aussi un vecteur de IMDF. Alors donc, nous, ce qu'on cherche, c'est deux vecteurs de IMDF qui ne sont pas collinéaires. Donc, le premier, ça pourrait être le vecteur bleu, puis le deuxième, le vecteur rouge. Et en fait, quand tu regardes bien, la famille qu'on vient d'obtenir, donc la famille moins 2, 1, 1 et 1 moins 2, 1, donc la famille formée par ces deux vecteurs, de IMDF, et ben elle est libre, hein, puisque ces deux vecteurs, tu t'en aperçois toi-même, ils sont pas du tout collinéaires, hein, ce sont deux vecteurs absolument libres. Donc, voilà, tu as deux vecteurs, f de E1 et f de E2, qui ne sont pas collinéaires. Donc, si tu as deux vecteurs non collinéaires dans un espace vectoriel de dimension 2, eh bien, c'est que tu as une base de cet espace vectoriel. Donc, en fait, F de E1 et F de E2 sont une base de IM de F. Voilà, alors ce que je te propose pour terminer, c'est de nous intéresser à la question suivante. Une question qu'on peut se poser concernant IM de F et Ker de F, c'est est-ce que Ker de F et IM de F sont supplémentaires dans R3? Est-ce que Ker de F plus IM de F en somme directe est égal à R3. Alors, on va revenir sur les résultats qu'on a obtenus. Donc, on sait, que, par exemple, que donc le vecteur 1, 1, 1 est une base de Ker de F. Donc, voilà ce qu'on a obtenu. Une base de Ker de F, c'est le vecteur 1, 1, 1. On a obtenu aussi une base de IM de F, donc, qui est formée par exemple, par les vecteurs moins 2, 1, 1 et 1, moins 2, 1. Ça, ces deux vecteurs constituent une base de IM de F. Et on voudrait savoir si notre Ker de F et notre IM de F sont supplémentaires dans R3. Alors pour ça, tu as un théorème dans ton cours qui dit la chose suivante. Donc, si tu prends en dimension finie, si tu prends deux sous-espaces vectoriels, F et G. Alors, pour le premier sous-espace vectoriel, tu as une base, U1, U2, UP. Voilà, c'est une base du sous-espace vectoriel F. Et puis, pour ton deuxième sous-espace vectoriel, tu as une base, V1, V, etc., VQ. C'est une base d'un sous-espace vectoriel G. Alors, en fait, on a l'équivalence suivante. F et G sont supplémentaires dans l'espace vectoriel E, si et seulement si, en quelque sorte, la base créée par la concaténation des vecteurs U1, U2, UP, V1, etc. jusqu'à VQ est une base de E. Voilà, il y a équivalence entre les deux. Donc nous, on va regarder si quand on regroupe, si tu veux, nos vecteurs de base bleu et rouge, on obtient une base de R3. C'est un petit peu ça qu'on va regarder, d'accord? Donc en fait, la question qu'on va se poser pour savoir si Ker de F et IM de F sont supplémentaires dans R3, eh ben en fait, on va essayer de démontrer que justement la famille 1 1 1 formée des vecteurs 1 1 1
moins 2, 1, 1 et 1, moins 2, 1. Donc cette famille de 3 vecteurs est une base de 2R3. Si on arrive à montrer ça, ben on aura démontré que quart de F et im de F sont supplémentaires dans R3. Alors pour démontrer que ces 3 vecteurs forment une base de R3, il y a plusieurs façons de s'y prendre. On pourrait par exemple montrer que la famille formée par ces 3 vecteurs est une famille libre, c'est-à-dire on écrit une combinaison linéaire nulle de ces 3 vecteurs et on montre que chacun des coefficients de cette combinaison linéaire nulle, chacun des coefficients est nul. Ça nous montrerait que c'est une famille libre de 3 vecteurs de R3, donc ça c'est une base de R3. Alors ce que je te propose, c'est qu'on s'y prenne un tout petit peu différemment. On va utiliser une autre façon de démontrer qu'une famille de vecteurs est une base de R3 en passant par le déterminant. Donc on a le théorème suivant, soit S un système de n vecteurs que nous allons appeler x1, x2, etc., xn, voilà, dont tu as les coordonnées dans une base de l'espace vectoriel E. D'accord? Voilà. Donc, on a le résultat suivant. En fait, ce S, le système de vecteurs, ça sera une base de ton espace vectoriel E. Si et seulement si, donc E, c'est un espace vectoriel de dimension finie, donc ça sera une base de E. Si et seulement si, en fait, le déterminant du système dans la base en question est non nul. Alors c'est exactement ce qu'on va aller voir pour nos 3 vecteurs. On va aller voir simplement si dans la base canonique de R3, puisqu'ils sont exprimés dans la base canonique de R3, ces 3 vecteurs ont un déterminant nul ou pas. Donc comment calculer le déterminant de ces 3 vecteurs? Je vais passer par la célèbre méthode de Sarrus, la règle de Sarrus. Donc tu connais la règle de Sarrus. On passe par les diagonales. Voilà, donc les 3 premières diagonales descendantes, on va les affecter d'un signe plus. Donc le déterminant de ce système dans la base canonique, ça va être donc 1 fois 1 fois 1, plus moins 2 fois moins 2 fois 1, plus 1 fois 1 fois 1. Voilà. Les 3 diagonales montantes, donc celles-là, on va les affecter d'un coefficient, d'un signe moins, pardon. Donc 1 fois 1 fois 1, moins 1 fois moins 2 fois 1, et moins 1 fois 1 fois moins 2. Voilà. Et on trouve un résultat non nul, puisque on trouve 5. Donc c'est un résultat non nul. Alors, conclusion, puisque c'est pas le déterminant de ce système de vecteurs n'est pas égal à 0, d'après le théorème précédent, tu peux donc en déduire que les 3 vecteurs bleu et rouge forment donc une base de R3. Voilà, donc le vecteur 1, 1, 1, moins 2, 1, 1, et puis 1, moins 2, 1, forme une base de R3. Et ce qui nous permet de revenir sur la question que nous nous étions posée au départ, d'après le théorème qui est écrit en vert, par conséquent, tu peux donc en déduire que, en fait, quart de F et im de F sont supplémentaires dans R3. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis de réviser des notions importantes et je te dis à bientôt.